C'est entre, on va y venir, mais quand même, 30 septembre 1870, Jean Perrin voit le jour à Lille, quelques semaines après la chute du Second Empire à Sedan et la proclamation de la République par Léon Gambetta à l'hôtel de ville de Paris. L'enfant ne verra pour la première fois son père, Jean-Baptiste Perrin, qui est capitaine de l'armée du Rhin et qui a été fait prisonnier dans Metz, lors du siège de Metz, que l'année suivante, au retour de sa captivité en Allemagne. 17 avril 1942, au cours de l'une des périodes qui est sans doute l'une des plus sombres de notre histoire, Jean Perrin s'éteint en exil dans un hôpital à New York. Et c'est un autre prisonnier, cette fois-ci, qui lui rend le plus bel hommage, le ministre de l'Éducation nationale, Jean Zay, enfermé dans les geôles de Vichy, hein, où il écrit un journal de captivité. Et il note notamment, dans les laboratoires de France, c'est vers une chambre d'hôpital de New York que toutes les pensées ont dû se tourner. Une chambre anonyme où vient de s'éteindre une grande pensée, de cesser de battre un grand cœur. C'est un très bel hommage à Jean Perrin, écrit dans ce journal de Jean Zay. Né avec la République, finalement disparu dans son sillage, en même temps que toutes les valeurs qu'il avait défendues tout au long de sa vie, à commencer par la liberté elle-même, eh bien Jean Perrin a bâti une œuvre qui a marqué son temps et qui continue quand même d'imprégner profondément le nôtre. Une œuvre scientifique, tout d'abord, hein, bien sûr, admis à l'École normale supérieure en 1891, agrégé de physique en 1894. Il publie son premier article en 1895 dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, hein, qui est consacré, je cite l'intitulé, aux nouvelles propriétés des rayons cathodiques, hein, un phénomène qui captive les physiciens, finalement, hein, depuis les travaux pionniers de Faraday. Et il révèle, en fait, cet article, les compétences du jeune savant. Jean Perrin parvient à montrer que les rayons cathodiques sont de l'électricité négative en mouvement. Hein. C'est une observation capitale qui mettra Thomson sur le chemin de la découverte de l'électron en 1897. À ce moment-là, la curiosité de Perrin l'a déjà incité à élargir son champ d'études. En janvier 1896, il apprend qu'à Würzburg, en Allemagne, Wilhelm Röntgen vient de mettre au jour un rayonnement insoupçonné. Alors, le savant allemand a baptisé ce phénomène, dont la nature demeure encore à ce moment-là mystérieuse, du nom de l'inconnu en mathématiques. Il a appelé ça les rayons X. Et Jean Perrin, qui revient quelques années plus tard sur cette période, qui témoigne lui-même au début des années 20, il note, je le cite, « Je crus d'abord à une exagération, mais comme je me trouvais familiarisé avec la manipulation des tubes de Crookes, j'essayais, plutôt par jeu, de voir ce que pouvaient être ces rayons X. À ma grande surprise, en quelques heures, je retrouvais les résultats annoncés. » Alors, on peut quand même préciser, par souci d'exactitude historique, que ce jeu qui conduisait les savants français à mettre à l'épreuve les découvertes de leurs confrères allemands et vice-versa, hein, c'était quand même monnaie courante dans le contexte de rivalité intense de l'époque. Toujours est-il que Jean Perrin a déjà publié 13 articles et donné plusieurs conférences devant la Société française de physique, lorsqu'il soutient, en juin 1897, une thèse de doctorat intitulée « Rayons cathodiques et rayons de Röntgen » qui lui ouvre les portes de la Sorbonne. Alors là, l'enseignement qu'il est chargé d'organiser dans des conditions assez misérables, j'y reviendrai dans un instant, l'accapare tout entier au détriment de ses premières études qui sont pourtant déjà si prometteuses. Il le rappelle lui-même, 20 ans après, une fois encore, au moment de son élection à l'Académie des sciences, « Mes expériences se trouvèrent interrompues et je ne recommençais de recherches suivies qu'à partir de 1903. » Mais c'est à partir de cette date, justement, précisément, et surtout entre 1908 et les débuts de la Grande Guerre, que Jean Perrin va réaliser les travaux les plus déterminants de sa carrière. Jean Perrin, il est alors guidé par un principe, un beau principe qu'il ne cesse de marteler. Il faut expliquer le visible compliqué par de l'invisible simple. Et son expérience la plus célèbre, d'autres, hein, mais elle porte sur le mouvement brownien à l'époque, hein, et elle lui permet de confirmer l'interprétation qu'Einstein vient d'en donner. Hein, une particule plongée dans un fluide entre en collision avec les molécules qui le composent et subit, sous l'effet de ces chocs répétés, un déplacement aléatoire que les probabilités permettent de déterminer. Or, ainsi que Perrin le note lui-même, hein, on ne peut avoir confiance dans les résultats que s'ils sont obtenus de plusieurs façons différentes. Et il se livre donc à 12 autres expériences qui le ramènent toutes à des valeurs extrêmement proches du nombre d'Avogadro. La preuve de la réalité moléculaire, ainsi qu'il le désigne lui-même à l'époque, et qu'il obtient, puis soumet en 1911 au premier congrès Solvay, est à l'origine du prix Nobel qui lui sera décerné 15 ans plus tard,
en 1926 pour, je cite l'intitulé du domaine, pour ses travaux sur la discontinuité de la matière. Alors Jean Perrin n'a toutefois pas attendu cette consécration et puis toute la reconnaissance qui en découle pour partager ses résultats, et même beaucoup plus largement son émerveillement devant la science et devant les percées qu'elle permet. C'est la deuxième facette de son œuvre et de l'héritage qu'il nous a laissé, dont l'évocation est plus justifiée ici, entre les murs du Palais de la Découverte, que finalement nulle part ailleurs. Enfant de la Troisième République, de ses premiers hussards noirs aussi, boursier après le décès de son père en 1880, Jean Perrin va se préoccuper tout au long de sa carrière des questions d'enseignement et plus largement de toutes les voies par lesquelles peuvent se transmettre les connaissances scientifiques. Il y a les cours, bien sûr, tout d'abord, et puis Jean Perrin accueille en Sorbonne avec le même bonheur les étudiants et les curieux. Il forme les uns, il n'oublie pas d'initier les autres, et parmi ces derniers, on trouve des personnalités assez inattendues, dès avant la Grande Guerre, à l'image d'André Gide, dont j'ai été assez surpris de découvrir dans une revue littéraire de l'époque, qui s'appelait « Vient de paraître », c'était le nom de la revue, la description d'un cours de Jean Perrin, dont voici un extrait qui montre de manière assez vivante comment Gide a fait la connaissance de Perrin et comment il l'a décrit pour la première fois. Sa chevelure dressée en flammes sur son front lui donnait je ne sais quel air enthousiaste. Il avait l'œil lumineux, le regard étonnamment variable, le geste bref, la parole volant vers la conclusion qui l'attirait. Ses traits qu'avait tourmenté tout à l'heure la complexité du sujet s'apaisaient aussitôt dans un sourire charmant. Description bien vivante. Je vous passe en revanche la tentative de compte-rendu du contenu du cours que livre André Gide après, parce que de toute évidence, il n'a rien compris. Mais au moins, on a cette description très vivante de Jean Perrin. Et puisque nous sommes justement dans le registre littéraire, évoquons un livre en particulier, ce sont Les Atomes. C'est un livre scientifique, mais il y a une raison quand même de l'évoquer quand on parle de littérature. Ces atomes que Jean Perrin publie en 1913, qui n'ont jamais cessé d'être réédités depuis et qui, dès leur première ligne, témoignent très clairement de cette ambition de conduire le public le plus large vers la découverte d'horizons qui lui sont inconnus, même lorsque le sujet est a priori extrêmement ardu. Je vous mets au défi de trouver un autre ouvrage scientifique qui débute sur une telle envolée. Il y a 25 siècles peut-être, sur les bords de la mer divine, où le chant des aèdes venait à peine de s'éteindre, quelques philosophes enseignaient déjà que la matière changeante est faite de grains indestructibles, en mouvement incessant, atomes que le hasard ou le destin auraient groupés au cours des âges, selon les formes ou les corps qui nous sont familiers. Ça s'ouvre comme ça, c'est quand même une jolie manière d'entrer dans un ouvrage de physique et de chimie physique. Alors évidemment, la suite de l'histoire montrera que les grains indestructibles, pas si indestructibles que cela, évidemment, mais nous sommes en 1913. Jean Perrin ne pouvait pas encore le savoir, et c'est sous sa plume, au final, qu'apparaît l'état des lieux le plus stimulant de la recherche de son temps. Alors, cette volonté de partager la connaissance scientifique, de démocratiser le savoir, comme on disait à l'époque, je trouve, dans une très heureuse formule, démocratiser le savoir, elle se manifeste dans le parcours ultérieur de Jean Perrin de bien des façons encore, sur lesquelles je vais pas revenir, car le temps finirait par me manquer, mais elle atteint évidemment son zénith, ça je ne peux pas ne pas le redire là, ici, en 1937, avec la création du Palais de la Découverte. Alors pourquoi d'ailleurs avoir choisi cet angle-là, finalement, le Palais de la Découverte, alors que les découvertes ne résument pas à elles seules toute la démarche scientifique? Eh bien, parce qu'en se limitant à une présentation des méthodes et des instruments, qui seront évidemment dévoilés au public, continuer de l'être jusqu'à nos jours, on aboutirait, et je cite là encore une fois Jean Perrin, qu'à une belle statue sans tête. Il faut parler des découvertes, selon Jean Perrin. Mais ce lieu, justement, il n'a pas eu une vocation statuaire, c'est-à-dire immobile, finalement. C'est même tout le contraire, et Jean Perrin lui a assigné deux missions complémentaires, et on pourrait dire aujourd'hui proactives, mais ça le ferait sans doute bondir à l'époque, ce mot n'existait pas. Sensibiliser le plus grand nombre aux rouages et aux résultats de la science et susciter parmi ce grand nombre des vocations chez les plus jeunes des visiteurs. Il l'indique lui-même, si vous avez la curiosité de feuilleter le tout premier catalogue du Palais de la Découverte et le texte qu'y laisse Jean Perrin, « S'il révélait un seul Faraday, notre effort à tous serait payé plus qu'au centuple ». Donc c'est vraiment cette volonté aussi d'aller susciter des vocations chez les plus jeunes. Alors cet effort, d'ailleurs, ne concerne pas que ce lieu, d'ailleurs. Le Palais de la Découverte, c'est une pièce, évidemment capitale, fondamentale, mais une pièce seulement du grand édifice que Jean Perrin a bâti pour notre pays et pour son,
son organisation scientifique à l'échelle nationale. C'est la troisième facette de son œuvre et de cet héritage sur lequel il nous appartient de veiller, aujourd'hui comme hier, peut-être aujourd'hui même un petit peu plus que jamais. Jean Perrin, il est né en 1870, hein, je l'ai dit tout à l'heure, en pleine débâcle, aux yeux de bien des savants, Louis Pasteur, Claude Bernard, Ernest Renan, si on va de temps en temps piocher un petit peu aussi du côté des humanités. Ce désastre de 1870 découlait au moins en partie de la désorganisation et de l'indigence de la recherche scientifique dans notre pays. Et de brillants observateurs de la nature humaine les ont rejoints, ces savants, sur ce constat. Et par exemple, Émile Zola, si vous lisez La débâcle, ce beau roman dédié à la guerre de 1870, eh bien Zola explique notre défaite par ces mots. « Malheur à qui s'arrête dans l'effort continu des nations, la victoire est à ceux qui marchent à l'avant-garde, la victoire est aux plus savants. » 50 ans plus tard, au lendemain d'un nouveau conflit plus meurtrier, c'est peu de le dire, hein, la Grande Guerre, 14-18, les plaintes s'élèvent à nouveau, avec plus de vigueur encore, et de toutes parts. Maurice Barrès lui-même, notre grand écrivain nationaliste de l'époque, va publier en 1922 un plaidoyer qui s'appelle « Pour la haute intelligence française » et où il écrit, je le cite, « La misère de nos laboratoires est quelque chose de prodigieux, c'est une misère indigne de la France, indigne de la science. » Et Jean Perrin est d'autant plus au fait de cette situation eh bien qu'il la vit personnellement, cette misère, dans son laboratoire de la Sorbonne. Et vous pouvez même le retrouver dans la presse de l'époque si vous lisez par exemple le Petit Journal, c'est un journal à grand tirage hein, à l'époque, du 23 mars 1921, première page à la une, on parle de la grande misère des laboratoires français. Il y a un petit encart consacré à Jean Perrin, hein, au laboratoire de Jean Perrin. Le journaliste note, je cite le Petit Journal, 23 mars 1921, « Cherchons à la faculté des sciences, donc de Paris, hein, au bout d'un corridor sombre, l'escalier poussiéreux de largeur d'homme qui conduit au deuxième étage chez M. Jean Perrin. C'est le laboratoire de chimie physique, trois pièces en enfilade, grandes chacune comme un cabinet de débarras, les préparations traînent à terre ou sont clouées au mur, faute de place. C'est un pittoresque navrant. » Voilà la situation de l'époque. Et remédier à cette situation devient la croisade de Jean Perrin au fil des années 20 et 30. Alors je ne vais pas vous en détailler toutes les étapes, car il me faudrait plusieurs heures, alors que je pense qu'il ne me reste plus que quelques minutes, hein, finalement. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous retrouverez ces différentes étapes détaillées dans cet ouvrage sur l'histoire du CNRS, hein, toujours disponible en librairie pour la modique somme de 17,90 €. Je me contenterai d'insister sur trois dates qui forment les jalons de cette croisade. 1927, tout d'abord, hein, peu après avoir reçu son prix Nobel, Jean Perrin obtient le soutien du baron Edmond de Rothschild, grand mécène des arts et de la science. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on dit que la France n'a pas de tradition de mécénat scientifique, c'est parfaitement faux, toute l'histoire témoigne du contraire. Donc Edmond de Rothschild, lui aussi ému du sort réservé aux savants français, eh bien, pour fonder avec Jean Perrin à Paris un laboratoire de pointe, l'Institut de biologie physico-chimique, dont il va faire, Jean Perrin, un modèle d'organisation. Cet institut, tout d'abord, il accueille des biologistes, des physiciens et des chimistes dans un même lieu, sans qu'ils se bagarrent finalement, hein, la mayonnaise prend assez bien. Et ça stimule finalement un rapprochement tout à fait inédit à l'époque des disciplines. On ne parlait pas encore d'interdisciplinarité à l'époque. Hein, ce mot est apparu beaucoup plus tard, dans les années 60, et puis aujourd'hui on l'accommode quasiment à toutes les sauces jusqu'à l'indigestion. Mais en fait, à l'époque, on le pratiquait simplement, concrètement et très efficacement dans ce nouveau laboratoire à l'initiative de Perrin. Quelle est la mission que Perrin confie au personnel de cet institut en 1927 ? Il l'annonce lui-même, en toute simplicité une fois encore. Ils vont devoir percer les secrets les plus dissimulés de la nature dans la plus grande liberté. Alors pour qualifier ces travailleurs scientifiques à temps plein, d'un genre nouveau, hein, un autre mot s'impose peu à peu dans l'usage courant. On parle de moins en moins de savants et de plus en plus de chercheurs. C'est à partir de la création de cet institut par Jean Perrin que le mot chercheur va entrer et la profession nouvelle va entrer dans l'usage courant. Alors est-ce que c'est pour autant une tour d'ivoire que l'on envisage de bâtir pour ces scientifiques d'un genre nouveau à l'IBPC ? C'est l'image qui continue parfois d'être entretenue, hein, une recherche aveugle aux réalités du monde qui l'entoure, sauf qu'une autre préoccupation est elle aussi partagée à l'époque par Perrin et Rothschild, que je cite, en mettant ces personnels à l'abri des besoins matériels, les travaux de cet institut peuvent apporter une contribution puissante au progrès économique du pays.
Là non plus, on ne parle pas encore de valorisation, c'est un terme qui apparaîtra beaucoup plus tard, mais on s'en soucie déjà beaucoup. Alors si je résume, on a donc une recherche libre qui rapproche les disciplines, qui s'appuie sur des professionnels, que l'on protège un peu des aléas de la conjoncture économique, parce qu'on a finalement l'intime conviction, maintes fois vérifiée ensuite, eh bien, que ces travaux constituent un bien public qui va profiter à l'ensemble du pays, à l'ensemble de la société. En somme, c'est vraiment un dispositif original qui se met en place dans cet institut que Jean Perrin va s'acharner ensuite à étendre à l'échelle nationale, à l'échelle du pays, ce qui nous conduit vers le deuxième jalon, la deuxième date, c'est 1936. L'année 36, elle marque un tournant au soir de la vie de Jean Perrin, autant que dans l'histoire contemporaine de la recherche en France. Les élections législatives de 36 voient la victoire du Front populaire. Dans la foulée, Perrin suggère au président du Conseil, Léon Blum, qu'il connaît bien, de réserver une place à la science au sein du gouvernement qu'il est en train de former, et un sous-secrétariat d'État à la recherche est ainsi créé sous le Front populaire. C'est une première dans notre pays, c'est la première fois que la recherche scientifique est inscrite à ce niveau de responsabilité au sein d'un gouvernement. Ce sous-secrétariat est rattaché au ministère de l'Éducation nationale, qui est piloté à ce moment-là par une personnalité considérable, elle aussi, qui s'appelle Jean Zay. Il est tout d'abord confié à Irène Curie, ce sous-secrétariat d'État, et c'est d'ailleurs un formidable symbole quand on se rappelle que Irène Curie, qui a eu le prix Nobel l'année précédente, en 1935, avec Frédéric Joliot, prix Nobel de chimie, et qui vient d'être nommée ministre de la Recherche, enfin, secrétaire d'État à la Recherche, elle n'a pas encore à cette époque-là le droit de voter, finalement. Donc on a une ministre, prix Nobel, mais puisque c'est une femme, il faudra attendre d'avoir le droit de vote, passer votre chemin, Madame Curie. Irène Curie a accepté d'ailleurs ce portefeuille pour défendre tout à la fois la cause des femmes et puis celle de la science, mais désireuse de retrouver au plus vite son laboratoire, parce que ben, finalement, l'action politique l'ennuie profondément, elle rêve de retrouver ses chères études, elle abandonne ses fonctions dès le mois de septembre 1936 à Jean Perrin. Et dans les mémoires que Jean Zay écrira en captivité avant d'être lâchement assassiné par la milice de Vichy, Jean Zay revient très longuement sur cette période de collaboration, entre guillemets, qu'il a eue avec Jean Perrin, de travail en commun, on va dire. Il écrit « Jean Perrin déploya aussitôt la fougue d'un jeune homme, l'enthousiasme d'un débutant, non pour les honneurs, mais pour les moyens d'action qu'il fournissait ». Alors j'aimerais vous lire beaucoup d'autres extraits de ce merveilleux texte, tantôt drôle, tantôt poignant, toujours extrêmement clairvoyant de Jean Zay. Mais le temps me manquerait, je ne peux que vous encourager à aller le découvrir. En fait, ce texte, ces mémoires de Jean Zay, elles ont été publiées. Vous les trouverez en librairie sous le titre « Souvenirs et solitude ». Je vous promets que ce n'est pas du temps perdu que de lire les mémoires de Jean Zay. Toujours est-il que grâce à l'action de ces deux hommes d'État, Jean Zay et Jean Perrin, je dis hommes d'État, je dis volontairement par une politique, deux hommes d'État, les réalisations se succèdent, tant du point de vue de l'organisation nationale d'ensemble de la recherche dans notre pays et de son financement, que sur le terrain, très concrètement, avec la création de laboratoires nouveaux, promis un bel avenir à de belles réussites. Je pense par exemple à l'Institut d'astrophysique de Paris, qui a été créé à cette époque-là, qui a favorisé le rapprochement, lui, entre l'astronomie et la physique, ou alors, parce qu'il ne faut jamais oublier de les citer non plus, aux sciences humaines, aux humanités, comme on disait à l'époque, avec l'Institut de recherche et d'histoire des textes, une institution qui existe aussi aujourd'hui encore au sein du CNRS, parce que dès l'origine, Jean Perrin avait voulu laisser au sein de son projet une place aux plus belles sciences du monde, qui sont les humanités. Voilà. Je dis ça devant des physiciens, je m'attendais à ce qu'il y ait une levée de bouclier, mais bon, finalement, on est tous d'accord. Ouh, ouais, d'accord, on est tous d'accord. Déjà, le projet de créer une institution nationale est évoqué, mais la chute du gouvernement Blum en 1937 et les tensions internationales croissantes de la fin des années 30 retardent sa naissance. Le Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, enfant posthume du Front populaire, mais enfant du Front populaire quand même, voit le jour le 19 octobre 1939, alors que le monde a déjà basculé depuis quelques semaines dans l'abîme. Il s'agit, vous l'aurez compris, on arrêterait là sur le CNRS, du dernier jalon, de la dernière date capitale dans ce parcours d'organisation de la recherche scientifique par Jean Perrin. 7 mois plus tard, Jean Perrin est jeté, avec des millions de ses compatriotes, sur les routes de l'Exode. Après de 70 ans, il n'a rien perdu de sa fougue, de sa combativité. Le 23 juin 1940, alors que Paris
vit ses toutes premières journées d'occupation. Il a quitté la capitale et il s'apprête à rejoindre via Bordeaux Casablanca, où il entend, comme Jean Zay, comme Georges Mandel, comme Pierre Mendès France, eh bien, poursuivre le combat en Afrique du Nord. J'ai dit ? Exact, Alger ensuite, oui, oui. Vous avez raison, monsieur. Bien vu. Qui le conduiront en effet à Alger, puis à Marseille, puis à Lyon, puis à Toulon, puis à Madrid, puis à Lisbonne, et pour finir, New York, où, épuisé, eh ben, il s'éteint le 17 avril 1942. 6 ans plus tard, en 1948, la France lui rend hommage, hein, en rapatriant sa dépouille, en la conduisant, en la déposant au Panthéon, en même temps que Langevin. Et Jean Perrin repose depuis lors au Panthéon. Et il a même été rejoint, vous en souvenez sans doute, tout récemment, en 2015, par Jean Zay. Donc désormais, ce sont deux grandes pensées et deux grands cœurs qui reposent ensemble dans le temple de la nation. Alors cette nation, la nôtre, hein, nation française, a-t-elle pour autant accompli tous ses devoirs en accueillant Jean Perrin et Jean Zay sous la coupole du Panthéon ? Non, en fait, l'essentiel, eh bien, il reste à faire, et c'est une tâche sans cesse recommencée. Finalement, il nous appartient de veiller sur l'héritage de Jean Perrin, qui n'est pas fait que d'institutions, hein, le CNRS, le Palais de la Découverte, mais aussi d'idéaux qui ont garanti leur succès depuis plus de 80 ans et qui dépassent de très loin le seul périmètre scientifique, puisqu'il s'agit avant toute chose de la liberté. Alors Jean Perrin l'avait dit lui-même, hein, en annonçant la création du CNRS lors du tragique automne 1939, « Chacun de nous peut bien mourir, mais nous voulons que notre idéal vive. » Jean Perrin est mort il y a près de 80 ans, bah, à nous de faire en sorte que bah, son idéal continue de vivre. Merci beaucoup. Et s'il reste un instant, je te propose même d'écouter notre père fondateur. Alain, tu connais par cœur cette vidéo si tu dois nous quitter. Oui, je m'en doute. Toute nouveauté vraiment utile à l'homme ne peut être obtenue que par la découverte des choses inconnues, poursuivies sans aucune préoccupation utilitaire. Ce n'est pas en désirant lutter contre le cancer que Marie Curie et Pierre Curie ont fait leurs immortelles découvertes, trouvant le polonium, le radium, et par là toute la suite de ces éléments imprévus et fragiles, dont chaque atome émet en se brisant l'éclair mystérieux qui, parmi toutes ses propriétés, se trouve avoir celle d'agir sur la matière vivante. Ainsi en tout domaine, pour acquérir de la puissance, pour diminuer ses corvées, qu'il ne faut pas confondre avec un travail noble, pour faire reculer la vieillesse et la mort elle-même, pour briser enfin le cadre étroit où notre destin semblait à jamais enfermé, nous devons faciliter la recherche scientifique désintéressée. Il y faut des cerveaux. Nous les trouverons sans peine dans cette race française qui a fait preuve de tant d'originalité créatrice. Il y faut des ressources. Cela ne coûtera guère. Le paysan réserve à la semence le 10e environ de la moisson. Ce n'est pas le 100e de notre budget qu'il faudra pour assurer les découvertes qui vont renouveler la face de la Terre. Vous tous, qui allez m'écouter par dizaines de milliers, vous qui me voyez sans que je vous voie, entendez mon appel et contribuez par toute votre influence à faciliter cette recherche conquérante qui fera le bonheur et la liberté des hommes.
Donc Jean-Michel, qui devait être là ce soir, président du jury du prix, et qui, du coup, nous a fait une petite vidéo suite à son absence. Bon, sinon, il n'y aura que l'audio, parce qu'on ne voit pas le... Moi, je l'ai, mais on ne voit pas sur l'écran. Bon, on va mettre que l'audio, c'est pas très grave. Monsieur le président d'Univers Sciences, cher Bruno Macquart, monsieur le directeur général délégué à la science du CNRS, cher Alain, madame la présidente de la Société française de physique, chère Catherine, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs. Je suis ravi que ce soir, la technique me permette de me dédoubler et de participer simultanément à cette remise du prix Jean Perrin et à la fête de la science à Sorbonne Université. Le prix Jean Perrin récompense depuis 1972 un effort particulièrement réussi de popularisation de la science. Il récompense non seulement des scientifiques professionnels, mais aussi des journalistes ou des personnalités du monde de la médiation scientifique ou du monde associatif. Pour cette raison, les candidatures proposées par les membres de la Société française de physique sont en général examinées plusieurs années de suite par le jury, car, afin de préserver les équilibres, on essaie de ne pas décerner le prix deux années de suite à la même catégorie de personnes. Et donc un prix Perrin, ça se mitonne, ça se réfléchit, ça se mûrit. Cette année, c'est donc Hélène Fischer, qui est enseignante-chercheuse à l'Université de Lorraine, que le jury du prix Jean Perrin a décidé de proposer pour l'obtention de ce prix au bureau de la Société française de physique. Je dois dire que la délibération a été extrêmement facile et que le jury est tombé très rapidement unanime sur le dossier d'Hélène Fischer. Nous avons effectivement reçu plusieurs lettres de recommandations émanant des membres de la Société française de physique qui étaient très élogieuses sur l'activité d'Hélène Fischer. Je vais donc vous dire les conclusions du jury. En proposant Madame Hélène Fischer pour le prix Jean Perrin, le jury tient à saluer une actrice de terrain de la diffusion de la culture scientifique particulièrement active. Très active depuis longtemps au niveau régional, Madame Fischer a désormais une envergure nationale, notamment au travers de l'exposition Magnetica, présentée actuellement au Palais de la Découverte. Le jury souligne l'aspect particulièrement élogieux des lettres de recommandation émanant des membres de la Société française de physique qui ont proposé sa candidature. Il est notamment souligné que l'enthousiasme d'Hélène Fischer est inépuisable, communicatif et fortement apprécié des néophytes comme des spécialistes, qui trouve dans ses explications des raisons d'aimer passionnément la science. Le jury a de plus fortement apprécié le fort engagement de Madame Fischer pour la Société française de physique. Et donc, en résumé, Hélène Fischer est une militante passionnée et particulièrement active de la culture scientifique et de la popularisation de la physique. Ses actions sont toujours menées avec une grande rigueur scientifique. Elle mérite indubitablement le prix Jean Perrin. Chère Hélène, je dois dire que je suis particulièrement heureux que ce soit toi qui reçoives ce soir le prix Jean Perrin, à l'occasion de cette soirée anniversaire du 150e anniversaire de la naissance de Jean Perrin. Parce que ce pourquoi le jury te récompense, c'est non seulement un effort particulièrement réussi de popularisation de la science, mais c'est un effort qui est totalement dans l'esprit de Jean Perrin, avec une exposition au Palais de la Découverte, avec des fondamentaux, les dernières découvertes de la science et le tout accessible au grand public. Alors Hélène, encore bravo. Encore très longtemps de toutes tes qualités, mais tes chevilles sont peut-être déjà bien.
Par vous remercier. En premier lieu, je remercie le président du jury, du prix Jean Perrin, donc Jean-Michel qu'on vient d'entendre à l'instant. Et je le remercie pour sa très belle intervention. Je remercie madame la présidente de la Société française de physique, parce que c'est un prix de la Société française. Je vais remercier monsieur Bruno Macquart Monsieur Bruno Macquart, qui nous accueille ici en ces lieux pour cette soirée Jean Perrin, et puis qui nous a aussi accueillis donc, pour présenter l'exposition magnétique depuis presque un an, ça fera plus d'un an. Donc merci pour cet accueil ici. Cet accueil aussi, c'est quelque chose de complètement symbolique. Le Palais de la Découverte, c'est vraiment le haut lieu de l'exposition scientifique, de la médiation scientifique en France. Alors pour moi, ça avait une place tout à fait particulière dans mon cœur, ce palais. Effectivement, comme l'a dit, c'était Alain, quand j'étais en quatrième année à l'école normale, en fait, effectivement, par plaisir, en fait, je suis venue au palais pour travailler en amont. À l'époque, les jeunes agrégés qui venaient d'avoir la grègue et qui étaient en quatrième année d'école, ils avaient la possibilité de travailler en amont avec les médiateurs pour préparer des nouvelles manies pour les exposer. Et en fait, pour le palais, c'était un super vivier parce qu'on avait tout notre programme d'agrègue qui était tout frais dans la tête. Et donc, je pense que c'était tout à fait intéressant comme collaboration parce que c'était des manies qui devait être pédagogique, puisqu'on avait passé la grègue, c'était bien l'objectif, c'était quand même de faire des manies pédagogiques, et qui donc, après adaptation, pouvait particulièrement intéresser le palais. Donc voilà, c'était déjà un moment de bonheur à l'époque. Alors, voilà, il faut que je remercie beaucoup de monde, parce que une histoire comme magnétique, ça ne se fait pas tout seul. C'est un travail collectif qui rassemble tout un ensemble de personnes, et c'est qu'en travaillant ensemble qu'on peut arriver à des résultats pareils. Donc j'ai plein de monde à remercier. Vous êtes tous à remercier en premier lieu, mais comme je ne peux pas donner tous les noms en premier, je vais faire des paquets. je vais m'organiser dans mes remerciements. Je vais déjà, comme Magnétique a commencé à Nancy, par Magnetica, donc, je vais déjà remercier tous les Nancyens. Après, je remercierai tous les Parisiens que je connais après par cette collaboration avec Universcience. Alors, à Nancy. Comment est-ce qu'un projet comme ça peut exister dans un labo de recherche ? Bon, la vocation première, c'est de faire de la recherche, et dont une vocation aussi, c'est de partager avec la société, avec le public. Eh bien, il faut que la direction du labo soit extrêmement convaincue par le bien fondé de la démarche de médiation pour que ça puisse se faire. Alors là, je tiens à remercier particulièrement le directeur de l'Institut Jean Labo, Thierry Balmont, qui malheureusement n'a pas pu venir là ce soir pour raisons personnelles, et qui répond toujours positivement, qui est toujours au rendez-vous pour toutes mes demandes relatives au travail de médiation scientifique et qui m'a donné tous les moyens pour pouvoir mener à bien ce travail. Alors, dans un labo, on est structuré en département et en équipe. Donc, pour pouvoir mener un travail comme ça, il faut que le chef d'équipe soit coopératif. C'est important aussi. Donc, mon chef d'équipe, il est là, c'est Stéphane Mangin. Donc, je tiens particulièrement à remercier Stéphane, qui au sein de l'équipe nanomagnétisme et électronique de spin qu'il dirige, sait reconnaître, je dirais, et accepter la spécificité de chacun et permet à chacun de travailler et de se développer dans le domaine, l'activité qui le porte vraiment et qui le motive. Donc Stéphane a accepté que je puisse mener ce travail qui n'est pas tout à fait exactement celui de la recherche fondamentale, mais qui est au service de la science. C'est ça le plus important. Comme il est lui-même convaincu de cette démarche de médiation scientifique, il la soutient et je le remercie beaucoup.
Alors, juste une anecdote. Je me souviens de ce jour de janvier 2015. Comment ? Ah, ici, il faut... D'accord, excusez-moi. Je me souviens de ce jour de janvier 2015. On était en plein préparatif des Olympiades nationales de physique et j'ai découvert la possibilité de répondre à un appel à projet au niveau de l'Université de Lorraine pour monter une expo. Et évidemment, j'ai tout de suite, je me suis tout de suite enthousiasmée. Et je suis allée voir Stéphane pour lui parler de mon projet. Alors tout de suite, il m'a répondu, pas de problème. Simplement, tu prends les choses en main, puis tu te débrouilles, tu prends l'activité à bras le corps, quoi, et puis tu l'amènes jusqu'au bout parce que ce n'est pas le corps de métier, notre activité de recherche au sein de l'équipe. Alors nous, on te soutiendra financièrement, mais ensuite, tout ce que je te demande, c'est juste que ce soit parfait. Tu te rappelles plus que tu m'as dit ça? Et alors là, et alors tous les jours, je me dis, ouais, il m'a juste demandé que ce soit parfait. Donc il faut que je continue. Et bon, voilà, il m'a fait confiance. Alors je ne sais pas si c'est parfait, mais enfin, on est arrivé à un certain résultat, on va dire. Voilà. Bon, alors je tenais aussi à remercier mon ancien chef d'équipe qui a disparu là, qui a dû rentrer, je suppose, prendre le train ce soir. Alors, en fait, il était à Nancy avant Stéphane, c'était notre chef. Et Alain, il a une activité de médiation scientifique tout à fait intéressante. Mais bon, à ce moment-là, j'étais pas encore prête, j'avais pas encore suffisamment mûri dans ma tête pour développer cette activité de médiation quand Alain était là. C'était entre 2000 et 2006, je dirais, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, on n'a pas travaillé ensemble à ce moment-là. Bon, je le regrette, c'est comme ça, mais rien n'est jamais perdu. Alors, bon, pour monter une telle expo, il faut donc une direction qui est coopérante. Et il faut aussi des moyens financiers, parce qu'on ne peut pas faire une expo comme ça sans financement. Donc là, je tiens à remercier nos soutiens financiers qui, principalement, sont l'Université de Lorraine, Lorraine Université d'Excellence, avec le projet Impact N4S en particulier, et la région Grand Est. Alors, une telle expo, c'est aussi... ça ne peut pas non plus se faire sans des soutiens techniques, puisque vous avez vu qu'on a développé plein de manips qui tous sont des prototypes. Et si on n'a pas un centre de compétences adapté pour développer tout ça, ça ne peut pas marcher, on ne peut pas faire de manip. Alors à l'IGL, on a la chance d'avoir des centres de compétences transversaux dédiés à des compétences particulières. Et en l'occurrence, il y a un centre de compétences dédié polytechnique qui s'appelle Emmanuel Herry. Et ce centre de compétences techniques, je le remercie particulièrement parce qu'il a tout de suite compris au début du projet l'intérêt qu'il y avait dans la démarche scientifique, alors qu'au départ, ce n'était pas intuitif dans un labo de recherche. J'étais la première personne à aller à l'atelier pour vraiment demander un travail de cette ampleur en médiation. Donc je remercie alors le centre polytechnique Herry qui a été complètement mobilisé. Alors, son responsable, Pierre Schmitt, qui a été finalement le chef projet technique pour Magnétique. Je remercie particulièrement aussi Cyril Schloder, qui est responsable de la partie MECA, Christophe Bonnet, qui a été responsable de la partie électronique et électricité. Puis évidemment, je remercie toutes les autres personnes de ce centre de compétences, que sont Cédric Gérard, Mani Batou et Jean-Georges Musso. Alors, une telle expo, ça ne peut pas non plus se faire sans scientifiques. Donc, il faut des scientifiques, il faut des collègues de travail, il faut des discussions, des débats dans le labo pour mener à bien et construire cette histoire et ce cheminement scientifique que représente Magnétique. Donc là, je dis merci tout particulièrement à mes collègues de l'équipe nanomagnétisme et électronique de SPIN. Alors, je vais les citer tous en essayant de ne pas en oublier un. Je citerai Thomas Way, Michel N, Daniel Lacour, Carlos Sanchez, François Montaigne, Yann Gorchon, Stéphane Andrieux, Karine Duménil, Christine Belloire. Je pense que j'ai oublié personne, j'espère. Merci aussi aux scientifiques des autres équipes de l'Institut, parce qu'en fait, j'ai discuté bien avec d'autres scientifiques que ceux de l'équipe. En particulier Stéphane Euro, que je remercierai. D'autres scientifiques que ceux du labo. J'ai particulièrement travaillé aussi avec Christophe Châtelain, qui
qui a été formidable dans ce projet. Je remercierai également les collègues du département de physique de la faculté des sciences et techniques de Vendeuve, en particulier Maëva Walter, qui est au laboratoire du second cycle à la fac et qui est toujours prête à aider dans toutes les manips. Alors, je remercie aussi mes contacts scientifiques extérieurs à Nancy, en particulier Pierre Molot, qui maintenant est en retraite, qui était chercheur à Grenoble, et avec lequel j'ai eu beaucoup d'échanges au début du projet, et qui en particulier construit l'expérimentarium à Grenoble, qui est un modèle du genre. Et puis, je remercie les membres de la société de la commission sciences et culture de la SFP, avec lesquels on a des super discussions, en particulier Daniel, avec lequel j'échange beaucoup. Voilà, alors pour l'Institut, je remercie aussi Caroline Barjon, qui est toujours avec nous pour valoriser chacune de nos actions. Je remercie Isabelle, parce qu'il faut un gestionnaire aussi, Isabelle Fournel, qui est là pour gérer des dossiers et des comptes pas possibles, et qui a toujours bien du fil à retordre, et qui a toujours le sourire. Voilà, et puis je remercie aussi mes étudiants de l'atelier Artem, qui a été pendant 3 ans consacré à magnétique. Artem, c'est une association d'école qui fait que dans ces ateliers, j'ai des élèves de Mines Nancy et de l'ENSAD. L'ENSAD, c'est les beaux-arts. C'est comme ça que j'ai travaillé avec les élèves du beaux-arts, en particulier pour cette esthétique qui est recherchée. Alors là, je citerai particulièrement les investissements de Margot Bailly, Cécile Pétri et Simon Duburc dans ce travail pour magnétique, et qui ont laissé une patte, vraiment une empreinte importante. Voilà, et puis voilà pour Nancy, et puis il y a eu cette collaboration avec Universcience, et tout un univers nouveau qui s'est ouvert à moi au début de cette collaboration, et ce fut que du bonheur. Alors il y a eu qui? Pour commencer, dans l'ordre chronologique, j'ai rencontré Emmanuel Lambert, qui est la responsable du département des disciplines scientifiques, direction de la médiation scientifique et d'éducation au Palais. Et c'est avec elle que j'ai parlé pour la première fois de magnétique K à l'époque, qui est installée dans un lycée à Nancy. Et c'est elle qui m'a fait parler et qui a compris qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans cette démarche et que ça s'apparentait à une démarche de type Jean Perrin, et donc qui est venue la voir à Nancy. Voilà, c'était mon premier contact. Et puis ensuite, j'ai échangé avec Michel Antoine, responsable des expositions, que je remercie aussi, puisque finalement, elle a suivi l'expression d'Emmanuel Lambert, qui soutenait ce projet. Et puis alors, je remercie également Raphaël Chanel, la direction des expositions également, avec lequel j'ai eu pas mal d'échanges tout au cours de ce chemin. Évidemment, je remercie beaucoup Isabelle Guégan, qui est là-bas, qui est la chef projet Universcience pour le projet magnétique. Alors là, on s'est super bien entendu, tout est dû, on a bien travaillé et on a eu plein d'échanges très fructueux et très conviviaux, et c'était une super expérience. Merci Isabelle. Je remercie aussi toute l'équipe de médiation du Palais. Alors j'ai plus spécialement échangé avec Clémentine Bouille, Élise Schubert, évidemment Camille, que je remercie particulièrement, et puis ce médiateur qui est là tout le temps sur Moment Magnétique et dont je ne connais pas de nom, c'est un jeune, là il est super, et j'ai beaucoup apprécié d'échanger avec lui plusieurs fois, mais je ne peux pas le remercier nominément parce que je ne connais pas son nom. Alors je remercie aussi Hassan Aïssa, avec lequel nous avons bien travaillé dans l'adaptation en fait. C'est l'équipe d'Universcience qui nous a coachés pour adapter Magnetica et la transformer en magnétique. En fait, faire une espèce de mue d'une expo à l'autre pour passer d'une expo un peu artisanale, mais ce n'est pas péjoratif que de dire ça, mais l'histoire était là, toute la démarche scientifique était là, mais les manips n'étaient pas prêtes pour affronter le nombre de visiteurs du palais. Donc, il a fallu les renforcer. Et donc, une équipe technique a été mise à notre service pour travailler avec nous et pour nous donner des conseils pour faire cette mue et pour arriver à avoir des manips qui résistent aux visiteurs du palais. Donc, pour ce travail, on a été coaché par Hassan Aïssa, et on a aussi reçu les conseils de Denis Fabien, qui, lui, s'est plutôt consacré à l'implantation de l'expo dans le palais, je dirais. Si je m'exprime bien dans la répartition des rôles, j'espère que je ne fais pas d'erreur. Voilà.
Et alors, avec toute l'équipe, là, Hassan, Denis, c'était vraiment un vrai plaisir de travailler avec eux. Alors, du point de vue technique, je remercie aussi les personnes avec lesquelles on échange plus depuis un an, depuis que l'Expo est là, c'est Vincent Dilize et Joubert Cité, avec lesquels on a d'excellentes relations. Vincent qui est là. Et qui sont toujours aussi serviables, même quand on veut intervenir sur l'expo à des heures complètement farfelues, parce qu'on est là, à Paris, et qu'on veut intervenir. Et puis ensuite, chronologiquement, il y a eu l'équipe de Un chercheur, une manip. Alors là, une équipe formidable que j'ai rencontrée. Allez, Bénédicte, je n'en veux plus. Ah, elle est là-bas, d'accord. Alors, une équipe que j'ai rencontrée donc, seulement dans cette deuxième année, enfin l'année, une fois que l'expo, elle était ici au Palais. Et là, j'ai eu un super plaisir de travailler avec l'équipe d'Un chercheur, une manip. Alors vraiment, je vous remercie du fond du cœur, Bénédicte Leclerc, qui est la responsable ici, puis Romain Attal, avec lequel je continue à travailler d'ailleurs pour faire les vidéos là, qu'on met sur Dailymotion, ou sur la chaîne du Palais, d'Universcience, pardon, je crois. Avec Brahim, qui est toujours sympa, super sympa, qui est toujours là pour résoudre tous les problèmes audiovisuels. Avec Elisabeth, qui est toujours là pour résoudre les problèmes administratif, on va dire, avec Marielle, avec laquelle j'ai travaillé pour monter Marielle Vergès, la fabrique du nanomagnétisme, et puis Jean-Marc Gruau, qui est, je ne sais pas, avec lequel on a travaillé pour fabriquer pour monter le cycle de conférences qui se terminera donc demain avec la conférence de Stéphane et la mienne, et puis pour organiser cette soirée. Et puis, merci à tous les autres acteurs d'Universcience que je rencontre dans les couloirs et dont j'ai oublié le nom et que j'ai toujours plaisir à rencontrer avec le sourire. Et puis, merci. Moi, j'ai rencontré que des gens sympas, de toute façon, ici. Il y avait les gardiens, il y avait tout le monde. Il y avait le monsieur qui tweet toujours, dont j'ai oublié le nom. Enfin, voilà, c'était vraiment super. Voilà. Alors... Ensuite, mon dernier travail en médiation, mais j'y reviendrai quand je ferai ma présentation, ça a aussi été une collaboration avec un autre acteur, qui est Christophe Martin, pour tout à fait autre chose, pour un développement d'applications de réalité virtuelle dédiées au partage de l'activité de recherche. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc merci à lui pour cette interaction, qui correspond tout à fait à l'activité de ce prix, même si cette activité de développement de VR s'est produite après l'attribution du prix. Alors, merci aussi au Comité national des Olympiades de physique, dont certains représentants sont ici. Alors, je vois Christian, Seglio, je vois Sylvie Lang, Jean-Philippe. Bon, alors, merci à Pierre aussi, Pierre Chavel, qui n'a pas pu être là ce soir. Alors, les Olympiades de physique, c'est un concours qui s'adresse aux lycéens et qui les engage dans un parcours de recherche pour qu'ils osent la recherche. Et donc, c'est un concours expérimental. C'est super intéressant, finalement. C'est engager auprès des jeunes la démarche qu'on demande d'engager au Palais, finalement. Cet engagement dans les Olympiades a été très, très important pour moi, en fait. Parce qu'en fait, j'ai commencé les actions de médiation scientifique à partir de 2012, après l'année de la supra, juste de la supraconductivité, qui était 2011. Et c'est Stéphane, en fait, qui, dans un moment où la vie était un peu difficile, des fois, pour moi, m'a proposé cette activité de monter des confs sur des confs expérimentales à faire dans les lycées, dans les collèges, un peu partout, pour m'aider à retrouver de la confiance en moi, je dirais, puis ça a bien marché. Sa main tendue a été déterminante, je dirais, donc merci encore. Ensuite, ça a enclenché un processus qui a continué toujours. Quoi. Et il y a eu l'organisation de la première finale nationale des Olympiades de physique hors de Paris, c'est-à-dire à Nancy. Alors là, je me suis engagée totalement. Et puis après, il y a eu l'expo Magnetica, puis Magnétique, puis Manant, et puis la suite. Voilà, si je résume rapidement. Alors, bien sûr, tout ce parcours, ça ne peut pas se faire sans un soutien. En soutien de proches. Donc je remercie en tout premier lieu mes parents qui sont ici présents, qui sont là-bas et qui sont venus malgré l'âge, malgré la distance, ils viennent de Metz, malgré la maladie, donc, malgré le Covid. Voilà, donc je les remercie tout plein, je suis très très contente qu'ils soient là et surtout qu'ils m'ont toujours soutenue en tout moment. Je remercie
mes parents scientifiques, mes faux parents scientifiques, parce qu'en fait, moi je suis issue d'un milieu littéraire, mais ce qui m'a donné envie de faire des sciences, ça a été des grandes balades dans les Alpes, des grands moments avec des amis qui sont eux, qui étaient chercheurs à Grenoble, en fait, à l'Institut Niel, et qui ont joué un rôle déterminant pour moi au moment de l'adolescence, quand j'étais au collège-lycée. Et en fait, je buvais leurs paroles de science, leurs récits de labo, c'était comme un enchantement pour moi. Et c'est comme ça que j'ai continué, que j'ai voulu faire exactement la même chose. Voilà, comme quoi, des fois, les pères. Hein. Donc, les remercie. Et puis, évidemment, je remercie mes trois enfants qui sont là aussi, qui ont fait le voyage, qui sont toujours prêts à me supporter, même quand je suis insupportable, parce que je suis ou trop stressée ou trop travailleuse. Voilà. Donc, merci. Et puis, bien sûr, je pense à ma sœur Anne, dans ce moment particulier, qui est avec nous depuis son ciel éternel. Merci à elle aussi. Alors, souvent, on me demande pourquoi et comment je fais pour toujours continuer encore et encore dans cette démarche de partage envers les autres et surtout envers les jeunes, souvent les ados. Ben, je pense en fait que c'est toujours elle qui est derrière moi et qui continuellement m'amène à parler de science à la jeunesse. Alors de science ou d'autres choses, mais c'est surtout communiquer une envie, communiquer un projet, communiquer un projet de vie et faire en sorte que ces jeunes s'intéressent, puissent un moment s'intéresser, avoir un déclic, s'intéresser à quelque chose pour franchir les étapes, surtout quand l'adolescence est parfois difficile. Voilà. Alors, c'est sûrement pour ça que je parle toujours avec mes tripes, qu'on me dit que je suis, je ne sais pas quoi ce que vous avez dit, que j'ai un enthousiasme, que je communique, je ne sais pas quoi. Je pense que c'est ça, cette force qui m'amène à toujours et à y croire et en vouloir toujours aller de l'avant pour donner l'envie, quoi, et surtout pas rester sur le banc. Voilà. Donc, je vous remercie à tous ce soir d'être avec moi. Et voilà, alors la SFP m'a demandé une petite présentation. Donc, je vais passer à ça. Alors, comment que je dois faire ? Voilà, c'est tout bon. Oui, ou bien ça marche aussi, je ne sais pas. Bon, alors, voilà. Ça, c'était pour le... Voilà, alors la question posée, c'est le magnétisme se prête-t-il à l'épreuve de la médiation scientifique ? C'est le titre de la petite conférence qu'on m'a demandé de faire. Alors, conférence, c'est peut-être un grand mot, c'est plutôt une réflexion sur la démarche qui a mené à magnétique. Et donc, je me suis prêtée au jeu, puisque, voilà, il fallait bien... parler. Donc en fait, j'ai été obligée de beaucoup réfléchir pour mettre mes idées en place et puis en fait essayer d'analyser ce que j'avais fait pour monter magnétique. Voilà. Alors, le magnétisme se prête-t-il à l'épreuve de la médiation scientifique ? Ça, c'est un grand mot parce que, heureusement, parce qu'Alain tout à l'heure a déjà participé par ses propos à cette question en fait. À cette interrogation, parce qu'en fait, le magnétisme, c'est quand même un truc vachement dur, en fait. Hein. C'est très dur, c'est très abstrait comme théorie qui la développe. La théorie. D'ailleurs, c'est très peu enseigné dans les lycées, pas au collège, pas du tout. Enfin, dans l'enseignement, c'est très peu enseigné. Et du coup, on peut se dire que c'est peut-être une gageure de vouloir développer une médiation sur ce sujet en se disant oh bah là tous les gens ils vont faire la tête, ils vont pas se dire qu'ils iront pas voir un truc, enfin je veux dire ça les intéresse pas quoi, parce que c'est trop ça une... En plus je vois bien ça, en plus je côtoie bien des étudiants moi, ça a toujours une connotation négative à cause de la difficulté associée à la question. Donc on peut peut-être se dire que c'est un vœu pieux de vouloir développer une médiation à ce sujet. Et puis, d'un autre côté, on peut aussi rencontrer des gens qui se disent il ne faut pas dresser des barrières entre science et société, entre science et public, parce que la science a besoin d'un soutien social et politique pour des raisons de légitimité. Elle aurait aussi besoin de solliciter le public pour motiver des vocations. Donc, il est sûrement urgent d'associer le public au travail scientifique par une vulgarisation adaptée. Voilà, donc on peut... on peut se dire que ce serait une bonne idée. Et puis en même temps,
Il y en a sûrement d'autres qui disent oh, mais en fait, le magnétisme, c'est omniprésent dans notre quotidien. Et puis en plus, c'est ce qui est à l'origine de l'explosion du numérique. Si là, j'ai un ordinateur devant moi, c'est grâce au magnétisme. Donc, ça mérite bien une exposition. Voilà. Donc, on peut rencontrer un certain nombre d'avis qui sont divergents et qui font que. Et ben voilà, on va essayer de répondre à cette question puisque manifestement il y a débat. Alors, est-ce que sans dénaturation, une mise à l'épreuve du magnétisme par une médiation est possible ou non ? Voilà la question posée ce soir, à laquelle on va essayer de répondre. Alors, pourquoi déjà ? Avant de dire est-ce que pourquoi ? Pourquoi mettre le magnétisme à l'épreuve d'une médiation ? Alors, l'approche courante du magnétisme relève de la confusion. Oui, alors évidemment, quand on pense à l'histoire ancienne, si on essaye de voir, de se rapprocher des écrits, on se rend compte que l'approche que le magnétisme est clairement un sujet très peu connu et qui a suggéré moult croyances et moult déviances. Alors là, on peut s'amuser à citer des ancêtres, les Dioscorides. C'est des passages un peu marrants que j'ai sélectionnés. Dans certaines circonstances, un aimant placé dans le lit d'une femme est capable de la faire tomber à terre si celle-ci a commis l'infidélité. Enfin oui, parce qu'il y a les forces de répulsion. Donc on rencontre quand même des passages qui sont excellents. Chez Paracels, alors, l'aimant est une pierre qui attire non seulement le fer et l'acier, mais aussi les causes de toutes les maladies. Donc, en fait, l'attraction, les phénomènes d'attraction dus aux aimants avaient pour effet d'attirer la maladie à l'extérieur du corps. Voilà. Donc, c'est clairement un phénomène difficile à saisir qui a donné lieu à toutes sortes de représentations totalement irrationnelles qui vont parfois jusqu'à la sorcellerie. Alors, bien sûr, là, je ne peux pas m'empêcher de citer Mesmer, le fameux médecin allemand du XVIIIe siècle qui a participé à ces croyances, bien sûr. Alors, lui, il postule l'existence d'un fluide magnétique universel bon pour une utilisation thérapeutique. En fait, on retrouve toujours que le magnétisme est associé à des questions thérapeutiques. Alors là, j'ai mis une représentation au tableau du fameux baquet de Mesmer. Alors, en fait, dans le baquet, on remplissait le baquet jusqu'à mi-hauteur avec de l'eau. On mettait plein d'émail de fer à l'intérieur et du verre pilé et plein d'autres petits objets. Et ensuite, le couvercle était percé de trous, d'un certain nombre de trous, d'où sortaient des branches de fer qui étaient rattachées à des cordes, qui étaient donc mobiles, et que les malades devaient appliquer sur les zones de leur corps qui les faisaient souffrir pour faire sortir le mal par attraction. Voilà. Voilà, c'est ce qui donnait naissance au mesmérisme, au magnétisme animal. Bon, c'est une... c'est assez extraordinaire, quoi. Voilà. Alors, chez Cara, alors Cara, c'est un philosophe, un journaliste révolutionnaire français de la même époque, au XVIIIe siècle. Alors, on trouve ce texte qui est tout à fait succulent également. Alors, le phlegme qui soigne de l'aimant est un effet de la pression ou gravitation continuelle que ce métal exerce sur lui-même. C'est une espèce de mercure qui, obstruant les surfaces du fer et le rendant imperméable à l'air ambiant, laisse au fluide élémentaire seule la capacité de le percuter dans une direction privilégiée. Le phlegme laiteux qui sort du fer battu après la fusion est très certainement une preuve que celui qui sointe de l'aimant n'est point une chimère. Donc la comparaison suffit à prouver. Et alors, Bachelard, qui est un philosophe français du XXe siècle, commente « L'incandescence du fer travaillé par le forgeron est substantifiée en un phlegme laiteux qu'expulse un marteau diligent. Ce phlegme laiteux suggère un phlegme magnétique invisible. » Donc, en fait, il compare un aimant à un morceau, moi, je dirais, de viande ou un truc comme ça, qui, quand on appuie dessus, eh bien, on a un liquide du sang qui sointe. Eh bien, l'aimant, ça va être pareil. Quand on va appuyer dessus, on aura un fluide magnétique qui va sointer exactement de la même façon. Donc, en fait, on retrouve là, dans ces deux cas, une approche immédiate et perceptive du phénomène de magnétique qui est complètement basé uniquement sur ce qui est vu, quoi. Et qui est interprété uniquement par comparaison, par analogie, ça suffit. Voilà. Alors, on peut se dire, et aujourd'hui, est-ce qu'on a une vision un peu plus claire du magnétisme ? Ben, je ne suis pas si sûre. Il suffit de taper magnétisme sur Google, premier choix, voilà ce qu'on obtient.
Autrement dit, un aimant apparaît en 9e position. Et puis à côté de ça, je vous ai scanné un prospectus que j'ai trouvé dans la galerie marchande de Cora, chez nous, à Nancy. Alors, tous les ans, au moment de Noël, on a des stands qui s'installent dans cette galerie. Et il y a un stand où on vend des bracelets, des colliers, des machins de pierres d'aimant qui ont des vertus thérapeutiques absolument extraordinaires, puisque toujours, elles vont attirer la maladie à l'extérieur du corps. Donc, vous voyez que, en fait, on s'amuse des textes des anciens, mais on retrouve exactement les mêmes approches aujourd'hui. Donc, finalement... on retrouve toujours cette approche confuse et irrationnelle du magnétisme, et ce constat est d'autant plus ennuyeux que le magnétisme est présent, est omniprésent dans notre quotidien. Alors cette approche, c'est le fait d'une pensée immédiate, en fait d'une pensée intuitive, seulement issue de la perception. Et alors, Bachelard, dans ce texte-là, l'opinion... explique, elle relève de l'opinion. L'opinion pense mal, elle ne pense pas. Elle traduit des besoins en connaissance. En exprimant les objets par leur utilité, elle s'interdit de les connaître. On ne peut rien fonder sur l'opinion, il faut d'abord la détruire. Elle est le premier obstacle à surmonter. Donc voilà, notre premier obstacle à surmonter, c'est l'opinion. L'opinion, c'est ce que Bachelard appelle un obstacle épistémologique. Alors, épistémologique, ça veut dire de la pensée. Ça veut dire que c'est la pensée qui va se faire obstacle à elle-même, qui construit par elle-même la difficulté rendant l'accès à la vérité difficile, voire impossible. Alors, on peut dire que la perception est un obstacle épistémologique aussi, puisque finalement, c'est la, là, j'ai donné des exemples, on voyait bien finalement que c'était la perception qui induisait la façon avec laquelle le magnétisme est appréhendé, mais que ce soit la perception ou la pensée, on se retrouve toujours sur la notion d'obstacle qui est fabriquée par soi-même, en fait, par l'idée. Alors l'obstacle fait échec à la vérité, l'opinion pardon fait échec à la vérité bien sûr. Elle relève du préjugé, d'une errance de l'esprit. Et c'est bien ce qui se passe dans les exemples que j'ai cités avant avec Mesmer ou Carat. Et donc là on comprend que dans ce genre de situation, un travail de vulgarisation, de médiation. Alors j'avoue que je sais pas quel mot utiliser parce que j'ai compris qu'il y avait des définitions. Enfin c'était pas, enfin j'ai pas toujours bien compris la différence entre ces deux mots, donc j'utilise les deux, s'impose pour se déprendre du préjugé de l'opinion et accéder à la science. Donc c'est bien notre rôle à nous, si on veut de médiation ou de vulgarisation, que d'arriver à lutter contre l'opinion. Alors, deuxième raison, pourquoi mettre le magnétisme à l'épreuve d'une médiation ? Ben voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la pédagogie directe du magnétisme rencontre des limites. Ben oui, parce que c'est une science qui est abstraite. Alors, Bachelard, il écrit au sujet de la physique moderne, la physique ondulatoire, en fait. On en imagine guère une pédagogie directe, une pédagogie fondée sur des expériences immédiates. Ben oui, il pensait, en fait, il faisait allusion par comparaison aux expériences du XVIIIe siècle, de mécanique par exemple, qui, elles, pouvaient être faites immédiatement. En fait, là, vu qu'on a affaire à des expériences, une physique qui est abstraite, la pédagogie directe, une pédagogie fondée sur des expériences immédiates n'apparaît pas possible. Donc, toute pédagogie d'une telle doctrine est nécessairement un exercice de transformation de connaissances. L'esprit ne peut ici s'instruire qu'en se transformant. Donc, sur un sujet aussi abstrait que le magnétisme, on va être obligé, pour faire ce travail de médiation, d'exercer un travail de transformation de connaissances. Mais alors, les scientifiques, dans tout ça, eh bien, alors, eux, les scientifiques, ils vont exprimer le magnétisme par cette théorie difficile, hors de portée de la connaissance empirique immédiate. Donc, ils vont accéder au réel du magnétisme par l'abstraction de la théorie. En fait, la théorie abstraite, avec un caractère de nécessité et d'universalité, va apparaître pour le scientifique comme le seul moyen pour arriver à la vérité du réel. Alors là, on arrive à un problème, parce que si on est obligé de s'en arrêter là, comment faire pour rendre la vérité du réel accessible au public ? Donc voilà.
Voilà, donc pour toutes ces raisons, le magnétisme, il est difficile de mettre le magnétisme à la portée de tous. C'est pour ça qu'on va avoir un travail important de vulgarisation ou de médiation scientifique pour y parvenir. Alors, bon, j'ai été à la fameuse journée mercredi la semaine dernière, on a beaucoup parlé de vulgarisation et médiation. Alors, arriver à faire le distinguo entre les deux mots, je continue à avoir des difficultés. J'ai essayé d'écrire quelque chose, je ne sais pas si c'est bien, puis je ne vais surtout pas m'arrêter sur ces problèmes de vocabulaire, parce que c'est pas la question, je dirais. Alors, j'ai eu l'impression que la vulgarisation, ça consistait à adapter un ensemble de connaissances techniques et scientifiques de manière à les rendre accessibles à un public non spécialiste, ce qui fait qu'en général, le scientifique, on l'appelle un vulgarisateur. La médiation scientifique, ce serait plutôt, si j'ai bien compris, le fait d'engager le public moins sur de la découverte de résultats scientifiques récents que sur un processus de découverte personnelle en montrant quel chemin suivre pour accéder à arriver à établir tel résultat. Bon, moi, je ne sais pas, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment une différence majeure entre ces deux démarches parce que pour moi, elle relève du même objectif, ce qui est d'établir un dialogue avec le public pour lui livrer un contenu scientifique et pour lutter contre l'opinion, par exemple, l'obstacle épistémologique et transmettre un contenu très abstrait pour le magnétisme. Donc, de toute façon, quel que soit le vocabulaire utilisé, on va se trouver dans une situation, enfin la démarche va instaurer un double rapport en fait entre le sachant et le public. Alors ce rapport, on va nous dire que quand on a ce type de démarche de vulgarisation, on établit un rapport d'inégalité dû à la différence de niveau de connaissance entre le sachant et le pas sachant. Voilà, c'est la seule façon de pouvoir transmettre une certaine connaissance, c'est d'aller vers ce public. Et ce double rapport, il est double, donc en fait, il s'associe à un rapport d'égalité en matière de curiosité intellectuelle, de désir d'apprendre et de comprendre, parce que tous les hommes partagent cette même curiosité, ce même désir d'apprendre. Donc finalement, la démarche scientifique, qu'elle soit appelée vulgarisation scientifique, elle me paraît construite ce qui me semble important, c'est de ne pas opposer le sachant et le public, car le sachant universel, de toute façon, n'existe plus, puisqu'on est tous sachants dans un domaine grand comme le bout de mon petit doigt et non sachants dans un domaine bien universel. Donc, il me semble que opposer de cette façon-là ne me semble pas la façon la meilleure de s'y prendre. Voilà. Donc finalement, la vulgarisation et la médiation reposent sur la considération de cette égalité. C'est ça qui me semble le plus important, puisque c'est la plus grande des choses qu'on partage. Et le but, ça va être de combler l'écart entre les degrés de connaissance. Alors, comment s'y prendre? Donc pourquoi? On a justifié le pourquoi. Maintenant, il faut développer une vulgarisation pour rendre ce sujet, le magnétisme, accessible. Alors, il me semble que pour développer ce sujet, eh bien, il faut s'appuyer la vérité scientifique me semble être le fondement de toute médiation. Alors, mais la vérité scientifique, c'est difficile, hein. Alors, comment la construire? Ça va être simple, parce que c'est quand même à la base de tout développement d'une médiation. Il faut que ce soit scientifiquement valable. Alors, comment faire? Déjà, on va vouloir faire des expériences. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'une expérience? Le point de départ de la démarche scientifique, ça ne me semble pas être l'expérience première et empirique, là, tout d'un coup, on se met à faire par hasard. C'est un peu une vision naïve, il me semble. On ne fait pas une expérience, en fait, ça se pense avant. Et donc, la théorie me semble être on dirait le prima épistémologique, ça veut dire la chose première à penser la chose première à penser avant de se lancer dans l'expérience. Donc, en fait, la théorie vient avant l'expérience.
La théorie formule de façon a priori non seulement son contenu théorique, mais également son contenu expérimental. Ça veut dire a priori, c'est-à-dire indépendamment de l'expérience perceptive. Donc en fait, on va construire un contenu. La théorie va à la fois construire le contenu théorique, mais aussi le projet expérimental. Et ensuite, il va falloir que les deux interagissent, enfin, se répondent l'un l'autre. L'idée, hypothèse ou loi, c'est la même chose, est un jugement universel, le fait un jugement particulier. Alors là, qu'est-ce qu'il a voulu dire, Georges Canguilhem, quand il a dit ça? C'est que, en fait, dans ce dialogue qui va s'installer entre la théorie et l'expérience, eh bien, il va falloir que le jugement universel, qui est la proposition de l'idée, de l'hypothèse ou de la loi, soit en relation avec le jugement particulier de l'expérience, et que l'un influe l'autre et inversement, et qu'un dialogue se fasse tout le temps entre les deux, de façon à ce que progressivement la vérité puisse émerger. Alors, la vérité, ça va être quoi en fait? Ça va être que, donc, si on établit ce rapport entre théorie ou expérience qui sont indissociables, alors il va falloir. Qu'est-ce qui va les lier, puisque ce sont deux expressions de la pensée? Il va falloir une homogénéité entre, logique entre la proposition universelle de la loi et la proposition particulière de l'expérience. Un fait ne peut entrer en rapport de convenance ou de disconvenance avec une idée qu'à une condition, c'est qu'il y ait entre le fait et l'idée une homogénéité logique. Alors nous, pour les physiciens, homogénéité, ça nous parle. Cela veut dire que si l'idée est un jugement, du jugement premier, le fait doit aussi être du jugement assuré provisoirement. Ça veut dire qu'il peut toujours évoluer. L'idée, hypothèse ou loi, est un jugement universel, le fait un jugement particulier. Le fait ne peut donc confirmer ou infirmer une hypothèse que si les deux jugements relient les mêmes concepts. En pratique expérimentale, toute la difficulté est d'établir que la relation est strictement la même, que les concepts ont la même compréhension. Donc là, ce texte de Canguilhem, il explique très très bien cette dualité, cet aller-retour que doit se faire entre le jugement général universelle et l'expérience particulière, pas singulière, particulière, et que les deux doivent être homogènes. Il doit y avoir une homogénéité logique pour aboutir sur une vérité. Alors c'est difficile d'établir un rapport d'homogénéité entre la théorie et l'expérience, parce que combien de fois on a des expériences qui ne reprennent pas tous les paramètres de la théorie, des expériences qui peuvent reprendre à l'insu du chercheur des paramètres qui ne figurent pas dans la formulation de l'hypothèse. Une expérience peut être vraie pour d'autres raisons que celles qui ont été formulées. Enfin, on a plein de raisons d'avoir des difficultés pour établir cette homogénéité entre théorie et expérience. Alors oui, lui cite un passage, il parle des expériences en biologie. Il est rare qu'on puisse en biologie étendre à une espèce entière une conclusion relative à une certaine variété de l'espèce, bien sûr. Donc en fait, ça va être la multiplication des expériences qui va nous permettre de faire coïncider, de faire aboutir ce rapport d'homogénéité entre la théorie et l'expérience. Alors là, Jean Perrin a un texte tout à fait intéressant. Il est en effet hors de doute que parfois une théorie se trouve surtout féconde dans le temps même où, proche encore de son apparition, elle reste obscure et donne prise à de graves objections. Puis le temps passe, on modifie la théorie, où l'on répond aux objections et l'on obtient une doctrine très claire qui se trouve pourtant devenue à peu près stérile. De même, quand une théorie est encore incohérente et confuse, elle peut être déjà féconde, mais c'est à cause de la clarté qui est déjà en elle et non pour ses obscurités. Donc ce texte, il est très beau pour montrer les allers-retours du scientifique entre théorie et expérience. Et alors on peut dire une théorie peut même aussi manifester sa fécondité dès sa conception, presque à l'insu du savant. Là, je pense à une expérience d'Ampère là, que j'ai découvert là. En fait, j'ai découvert là récemment
qu'Ampère, en 1822, il a fait une manip qui était... En fait, il avait une manip qui manifestait le phénomène d'induction, mais qu'il n'a pas été capable de reconnaître comme tel, alors que sa théorie portait, ce qu'il avait développé de façon théorique, portait déjà le phénomène d'induction en lui, mais il ne l'a pas reconnu comme tel au niveau de son expérience. C'est quand même extraordinaire. Donc c'est bien parce que la loi était encore assez confuse, qu'elle était féconde, mais encore faut-il que l'expérience puisse être reconnue comme... Enfin, c'est extraordinaire ce passage-là. Voilà. Alors, voilà, des fois on trouve aussi que la vérité scientifique se définit parfois par l'objectivité scientifique. Alors ça c'est compliqué parce que là vous allez me dire que je me contredis avec ce que j'ai dit avant, parce que objectivité scientifique, ça veut dire que la vérité... qu'il faudrait un objet pour signifier la vérité. Or, un objet, c'est quelque chose de matériel, ce n'est pas homogène avec une idée. Donc, en fait, c'était une vision ancienne. Enfin, c'était une façon, une expression ancienne, l'objectivité scientifique, quand elle était comprise dans ce sens-là. L'objectivité scientifique, aujourd'hui, ça désigne la capacité à construire des objets de pensée obéissant aux critères de vérité définis par homogénéité logique. Ce sont des objets de pensée qui renvoient tant à la théorie qu'à l'expérimentation. Alors, c'est peut-être ça qu'on fait quand on fait une exposition comme magnétique. On essaye de développer des objets de pensée expérimentaux qui rendent compte de la théorie que l'on veut illustrer. Finalement, c'est ce qu'on peut appeler des théories matérialisées. Au fur et à mesure que les instruments s'affinent, leur produit scientifique sera mieux défini, la connaissance devient objective dans la mesure où elle devient instrumentale. Donc en fait, on donne au fur et à mesure que le sujet évolue, que les instruments s'affinent, leur produit va être mieux défini. Et donc en fait, les objets scientifiques que l'on va mettre dans magnétique, ça va être le résultat d'une connaissance objective où tout ce travail d'homogénéité entre l'expérience et la théorie va nous amener à produire un objet visible qui rende compte de cette théorie. Et donc les maquettes qu'on essaye de formuler pour magnétique, ça va être une théorie matérialisée quelque part. Alors là, on peut en montrer quelques-unes. Ça a été le travail qu'on a... En fait, c'était tout le travail pédagogique qu'on a mené à l'Institut. C'était de chaque fois essayer d'inventer, de penser la manip pédagogique la plus adaptée, l'objet de pensée le plus adapté pour illustrer un phénomène physique. C'est exactement la démarche que l'on est censé faire en médiation. Voilà. Alors, pour tout ça, pourquoi ? Ben pour dire le réel, en fait, le réel de la... Alors, le réel, c'est quoi ? Ça peut être le réel de la perception. Alors là, on revient à une pensée type Descartes. Prenons, par exemple, ce morceau de cire qui vient d'être tiré de la ruche. Il n'a pas encore perdu la douceur du miel qu'il contenait. Il retient encore quelque chose de l'odeur des fleurs dont il a été recueilli. Sa couleur, sa figure, sa grandeur sont apparentes. Il est dur, il est froid, on le touche. Si vous le frappez, il rendra quelques sons. Enfin, toutes les choses qui peuvent distinctement faire connaître un corps se rencontrent en celui-ci. Donc là, c'est vraiment une illustration parfaite du réel selon la perception, alors qu'il existe en parallèle un réel selon la science. C'est par le même Descartes qui va écrire au sujet de la même chose. C'est par l'entendement seulement que je peux connaître cette cire, et je la connais en effet par son étendue, c'est-à-dire par le fait qu'elle a, comme tout corps, elle se définit par ses trois dimensions de l'espace. Donc il faut donc que je tombe d'accord que je ne saurais pas même concevoir par l'imagination ce que c'est que cette cire, et qu'il n'y a que mon entendement seul qui le conçoit. Voilà. Donc, nous, il va falloir qu'on développe un réel de la science, qu'on produise un réel pour la science, selon la science, et bien sûr pas selon la perception. La révolution épistémologique qu'entraîne la microphysique conduit d'ailleurs à remplacer la phénoménologie par une nouménologie. Alors, phénoménologie, c'est pour la partie perceptive et par les phénomènes, par une nouménologie, c'est-à-dire un produit de l'esprit, c'est-à-dire par une organisation d'objets de pensée.
Les objets de pensée deviennent ensuite des objets d'expérience technique par une pure facticité de l'expérience. C'est-à-dire que on va développer finalement dans magnétique des objets de pensée pour décrire le réel. Alors, ce réel, on va le construire par une ce réel de la théorie du magnétisme, on va le construire par un parcours, par une construction théorique. Et là, magnétique, c'est une histoire. C'est une histoire qui est construite selon une logique scientifique, justement pour accéder à la vérité de cette physique, de cette science. Et c'est la logique du cheminement construit qui nous amène à cette vérité. Alors, ça va être un parcours en 5 étapes. Chaque étape est décomposée en tables, comme 5 chapitres qui seront décomposés en pages. Et c'est par ce cheminement que l'on va progressivement se rapprocher du réel, de la théorie. Mais sur chaque table aussi, l'objet du quotidien va être posé à côté de l'objet de pensée. En ce sens-là, vous voyez sur les transparents, là, si je regarde la photo de gauche, à droite, on a le rail de la place. C'est donc bien l'objet de pensée qui va illustrer la force de la place. Et à gauche, on aura l'objet du quotidien qui utilise cette force, qui décrit donc le réel. Là, on a choisi un haut-parleur. Et donc, chaque fois, on va avoir cette dualité. À droite, c'est l'expérience de pensée qui décrit le chauffage par induction. Et à gauche, c'est l'objet du réel qui utilise cet effet physique. Voilà. Donc, on va dire le réel en établissant ce lien entre l'objet perceptible, connu pour son utilité, et l'objet de pensée, qui est un élément de la théorie. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à construire un parcours qui essaye de se rapprocher de la vérité de la théorie, sans jamais produire une équation, bien sûr, mais en développant de toutes pièces des maquettes qui sont des objets de pensée qui illustrent les chapitres, finalement, de cette théorie. Alors, la démarche scientifique, par définition, c'est du dialogue. Par nature, plutôt, je dirais, c'est du dialogue. Alors, quel dialogue ? Ben, plein de dialogues. Et Magnétique rend compte de cette démarche de dialogue. Magnétique rend compte de cette démarche de vérité et rend compte de cette démarche de dialogue, je dirais. Alors, dialogue avec qui ? Ben, dialogue avec le public. Alors là, il y a un joli extrait au sujet de Socrate, mais qui s'applique tout à fait à la démarche du médiateur ou du vulgarisateur. Socrate feint de vouloir apprendre quelque chose de son interlocuteur. Mais en fait, alors qu'il semble s'identifier avec son interlocuteur, entrer totalement dans son discours, c'est finalement l'interlocuteur qui, inconsciemment, entre dans le discours de Socrate, s'identifie à Socrate, c'est-à-dire, ne l'oublions pas, à l'aporie et au doute. Car Socrate ne sait rien, il sait seulement qu'il ne sait rien. À la fin de la discussion, l'interlocuteur n'a donc rien appris. Il ne sait même plus rien du tout. Mais pendant tout le temps de la discussion, il a éprouvé ce qu'est l'activité de l'esprit. Mieux encore, il a été Socrate lui-même, c'est-à-dire l'interrogation, la mise en question, le recul par rapport à soi, c'est-à-dire finalement la conscience. Voilà, ça c'est bien la démarche que fait tout médiateur ou vulgarisateur, peu importe, quand il va poser une question, dès qu'il va être dans cette démarche où il essaye de partager sa connaissance avec le public, il va ouvrir un dialogue et quand le public va poser des questions, finalement c'est le scientifique qui va essayer de... qui va se mettre dans la position du non-sachant pour comprendre la question posée. Et donc, c'est ce jeu d'aller-retour qui va être un jeu de dialogue, quoi, qui va être très intéressant. Et donc, finalement, là encore, on veut repartir de ce rapport d'égalité ou d'inégalité entre le sachant et le non-sachant. Certes, il va y avoir une égalité des connaissances, mais en fait, on est tous tellement égaux quant à notre ignorance, qui est infime par rapport au peu qu'on sait, qui est infinie, je veux dire, par rapport au peu qu'on sait. Et on a une telle égalité quant à la disponibilité à apprendre et à la volonté d'apprendre que nécessairement ce dialogue scientifique s'installe sur cette égalité.
Et l'égalité transcende largement les inégalités de connaissances dans la démarche de vulgarisation. Voilà. Alors, dans Magnétique, comment est-ce qu'on a essayé d'établir ce dialogue? Eh bien, on a essayé de l'établir avec tous les publics, c'est-à-dire qu'on a toujours proposé trois niveaux de lecture. Alors là, j'ai fait une photo d'un extrait. Vous voyez l'approche sur la table avec les panneaux rouges et bleus qui sont une démarche pragmatique, que faire, que voir, qui s'adresse au tout public, vraiment. C'est une approche qui dit ce qu'il faut faire et qui donne une, qui explique la manip que l'on voit, mais d'une façon tout à fait pragmatique et simple. Au fond de table, vous voyez ces cartels lumineux, là. Ça, c'est une explication pour un public plus averti. Et puis, par ailleurs, il y a aussi un livret enfant qui s'adresse aux familles, en fait, pour un parcours allégé. Et donc, on a essayé d'établir, avec ces trois types d'outils, un dialogue avec tous les publics, avec trois niveaux de lecture. Et sur la photo que j'ai mise, vous voyez bien que on rassemble toutes les générations. Sur la même photo, vous avez des jeunes et des moins jeunes, je dirais. Voilà, donc le dialogue, on a essayé de l'instaurer au mieux qu'on pouvait faire. Alors, la démarche scientifique, ça ouvre aussi un espace de dialogue avec la société. Ben oui, c'est un rôle fondamental de la vulgarisation, on doit être là pour ça. On va essayer d'expliquer le monde pour apprendre à le comprendre. En particulier, en ce moment, on a plein de travail parce que il faut absolument qu'on soit porteur d'un message de vérité et de probité dans la société dans laquelle on vit actuellement. Il faut qu'on soit une réponse à toute la propagation des informations qui n'ont pas forcément de vérité scientifique. Donc il faut qu'on soit des acteurs de la lutte contre cette désinformation. Donc des acteurs de la construction du sens critique. Et donc c'est très important d'avoir, dans cette civilisation où le faux se propage des fois plus vite que le vrai, c'est important d'avoir des moments où des occasions de rencontrer cette démarche de vérité. Et je pense qu'une démarche expérimentale oblige le public à se confronter à la réalité de la science et donc à une valeur d'exemple, à une valeur de modèle dans ce monde où la vérité et ce recours à la vérité, ce recours à la vérification des preuves est si malmené, quoi. Voilà, donc on a une construction, une démarche éminemment citoyenne. Et puis là, le scientifique a un rôle à jouer, c'est clair. Il est très important que le scientifique s'engage dans cette mission. Alors, Magnétique, comment elle répond à cette question? Ben voilà, elle va engager un échange avec le public sur une problématique. La problématique qui est sous-jacente dans toute l'expo, c'est la notion de consommation d'énergie, en particulier générée par le stockage de données. Et donc, le cheminement de l'expo donc, amène vers le nanomagnétisme, vers les progrès de la spintronique, en essayant d'expliquer un fait marquant, c'est la magnétorésistance géante, qui a une application majeure dans le quotidien des gens, c'est les têtes de lecture des ordinateurs. Et donc, ce cheminement faisant, on invite le public dans une démarche de questionnement sur la problématique de la consommation d'énergie associée à nos outils du quotidien. Donc là, j'ai mis par exemple, le débat, on le pose avec cette maquette d'ordinateur préhistorique où on écrit simplement 8 bits de la façon la plus élémentaire qui soit. Donc on explique le principe et en même temps, on l'associe à la problématique de la consommation d'énergie et comment la recherche peut amener à y répondre quelle sera l'évolution plus tard. Enfin, comment la recherche essaye de répondre à cette problématique. Et puis là, c'est une application, pareil, c'est la même problématique en fait. On va utiliser ce résultat de magnétorésistance géante pour faire des capteurs ultra performants, et par exemple qui permettent de détecter déclencher la biaise des voitures. Et donc, on va engager le public sur deux exemples qui sont issus d'objets du quotidien sur lesquels il se sentira concerné en fait. Voilà. Ensuite, la démarche scientifique, ben voilà, elle induit un dialogue entre le présent et le passé. Ben oui, parce que les manips, elles se sont pas, enfin la recherche actuelle, elle s'est pas créée à partir de rien.
Elle s'est créée à partir des résultats de recherche qui ont été établis par les anciens. Et donc, il me semble tout à fait important de conserver ces manies fondamentales. On voit alors la nécessité éducative de formuler une histoire récurrente, une histoire qu'on éclaire par la finalité du présent, une histoire qui part des certitudes du présent et découvre dans le passé les formations progressives de la vérité. Voilà, c'est cet échange permanent entre expérience, théorie et expression de cette vérité qui est exprimée avec tous ces tâtonnements qui l'ont fait avancer au cours des siècles. Ainsi, la pensée scientifique s'assure dans le récit de ses progrès. Elle apparaît, cette histoire récurrente, dans les livres de sciences actuels sous forme de préambule historique. Mais elle est trop souvent écourtée, elle oublie trop d'intermédiaires, elle ne prépare pas suffisamment la formation pédagogique des différents seuils différentiels de la culture. Il me semble vraiment important que les manips s'appuient, enfin parce que s'appuient sur les piliers des résultats de nos anciens. Si l'historien des sciences doit être un juge des valeurs de vérité touchant cette science, où devra-t-elle apprendre son métier? La réponse n'est pas douteuse. L'historien des sciences, pour bien juger du passé, donc ce n'est pas seulement pour construire le futur, mais c'est aussi pour bien juger du passé, doit connaître le présent. Il doit apprendre de son mieux la science dont il se propose d'écrire l'histoire. Et c'est sans cela que l'histoire des sciences, qu'on le veuille ou non, a une forte attache dans l'actualité des sciences. Voilà. Donc, dans Magnétique, on s'est attaché à partir de la science, des expériences de nos anciens, qui établissent qui ont permis d'établir la production scientifique actuelle. Donc là, par exemple, j'ai mis en scène sur cette photo des expériences complètement historiques sur desquelles on est parti, qui ont construit comme des fondements, des briques élémentaires, à partir desquelles on va construire la science actuelle. Voilà, par exemple, à droite, là, manip de c'est Ampère, hein, c'est 1820, ça. C'est le fait qu'un courant un courant dans un circuit, ça crée un champ magnétique. Voilà, donc on va l'observer là. Donc c'est le courant, c'est du champ. Et puis par ailleurs, là, j'ai montré le phénomène d'induction, la manip de droite, là, c'est le phénomène d'induction, déplacement d'un aimant dans une bobine, ça crée un courant. Donc deux manips historiques qui vont engendrer la physique d'aujourd'hui. Voilà. Alors, la démarche scientifique, ça mène aussi au dialogue entre présent et futur. Évidemment, il faut bien qu'on représente, qu'on parle de la science en train de se faire, comme dirait Jean Perrin. Donc, la mission de la vulgarisation, c'est bien de mener le public vers la recherche en cours, vers le processus de questionnement et de raisonnement qui mène à la création de la science, bien sûr. Alors, c'est bien pour ça que Magnétique, c'est une histoire. C'est une histoire qui a un but, c'est de prendre le public par la main, le faire visiter les manips du passé qui ont permis de comprendre la science d'aujourd'hui et de lui permettre de rentrer en dialogue avec cette science qu'on est en train d'écrire nous, chez nous au labo, du moins sur le magnétisme. Alors, voilà, est-ce que c'est une difficulté insurmontable? Bah, c'est à cette difficulté qu'on s'est confronté, bien sûr, hein. C'est pas facile, puisque cette physique actuelle, elle est complètement abstraite, elle est à l'échelle du nanomètre. Alors bon, ben voilà, pour faire ça, il faut sûrement travailler ensemble, les espaces muséaux et les scientifiques, parce que il n'y a que le travail. On ne peut pas inventer la recherche scientifique, ce qui se passe dans un labo, dans un espace muséal et inversement. Et le scientifique, enfin, je pense que ce genre d'action, on voit bien dans Magnétique, il faut vraiment les co-construire. Ce n'est pas seulement le scientifique qui vient à la fin pour vérifier que les textes sont bons, etc. Là, on a vraiment une démarche dans Magnétique qui était intéressante, j'ai trouvé, avec l'équipe d'Univers Sciences, parce qu'on était sur un processus où on travaillait ensemble depuis le début, le départ du projet, c'était Magnética, mais on l'a monté ensemble jusqu'au niveau palais pour faire Magnétique. Et dans un dialogue, puisqu'on a chacun des domaines de compétences qui sont différents, dans un dialogue. Voilà. Et pas seulement juste en tant qu'expert.
Donc ça, je pense que c'est vraiment porteur. Alors, comme on a fait dans cette expo pour montrer des résultats de recherche qui sont hyper abstraits, extrêmement compliqués à comprendre, alors on a développé là des maquettes phénoménologiques. C'est vraiment des objets de pensée, là. C'est vraiment une matérialisation d'une partie du raisonnement qui est hyper abstrait et qu'on en a rendu concret par de la manip. En fait, là, c'est des supports, en fait, à la parole scientifique, à l'explication, pour donner un objet, c'est-à-dire une réalité objective, à la pensée que l'on veut développer. Voilà. Alors, on a aussi l'outil numérique qui vient nous aider. Alors là, je vais dire merci à Daniel. Et bon, sur Magnetic, on a un certain nombre de Kesako, par exemple, qui est une série très bien sûr, qui sont là pour nous aider comme complément pédagogique à la démarche scientifique expérimentale, je dirais. C'est-à-dire que là, le numérique ne vient pas remplacer, il vient en complément quand l'expérience in situ ne peut pas avoir lieu. Par exemple, je cite l'un des Kesako, par exemple, il y a un Kesako sur le mouvement des oiseaux migratoires. C'est clair que la manip correspondante, on ne pouvait pas la faire dans l'expo. Par contre, le Kesako va nous l'expliquer. Voilà. Et puis, eh bien, il y a un chercheur, une manip, qui est une excellente initiative qu'on a associée en complément à Magnetic. Et on a, enfin, l'initiative d'un chercheur, une manip, qui consiste à inviter un chercheur dans un espace muséal pendant une séquence de temps donné, est extrêmement intéressante parce qu'elle oblige à travailler ensemble, justement, c'est exactement ce que je disais avant, à travailler ensemble pour construire un projet où qui va exister pendant 2 mois dans le palais, mais un projet où une médiation de la science en train de se faire est produite. Voilà. Et où le chercheur va être devant le public. Voilà. Et puis, quand on a des manips qui ne peuvent pas être réalisées hors du laboratoire, que l'on a extrêmement de difficultés à raconter au public parce qu'elles font intervenir des échelles différentes de celles de notre quotidien. Typiquement, l'échelle de l'infiniment petit est difficile à concevoir pour le public. L'échelle de l'ultra-vide aussi. Enfin, voilà. Alors là, ça, c'était le travail qui a été mené plus récemment, là, cette année. On a développé à l'Institut Jean Lamour, toujours dans la même équipe, une application de réalité virtuelle pour aider le public à rentrer dans une construction de recherche qui est très compliquée et pour l'inviter, alors je dis faire rentrer le public dans la peau d'un chercheur, oui, mais l'aider à appréhender les difficultés de cette physique qui mène justement à la fameuse réalisation de la magnétorésistance géante ou des résultats scientifiques qui sont racontés dans l'expo. Voilà. Donc on a utilisé un certain nombre d'outils pour arriver à exprimer avec la meilleure des vérités scientifiques, puisque c'était quand même ça le sujet, le souci premier, la science en train de se faire sur le sujet du magnétisme au monde public. Voilà. Alors voilà le Virtual Dome, un chercheur, une manip, photo d'ambiance, voilà. Bon, en fait, ça a super bien marché. Hein, ça. Voilà. Alors, est-ce que... Si une médiation du magnétisme existe, alors celle-ci passe par une mise en évidence de la vérité scientifique. Est-ce que c'est possible? Donc c'était bien ça la question que j'ai posée au début. Alors je vous laisse juger, hein. J'ai essayé d'expliquer le processus, j'ai essayé d'expliquer que la question de la vérité a été le moteur là-dedans, dans cette démarche, et qu'on a essayé d'y répondre à différents niveaux par l'expérience propre qui est objet de l'esprit, en fait, par la construction logique sur chaque table, ça c'est un autre niveau, en confrontant l'objet de l'esprit à l'objet du quotidien, et par un enchaînement d'idées qui nous amène à un résultat donc, qui est construit sur la vérité de la théorie, en fait. Voilà. Voilà. Alors, je ne sais pas si on est arrivé, chacun pourra penser ce qu'il veut, ce qui est sûr. voilà, d'autres... Alors, la suite, ce sera sûrement d'autres projets.
si ça va, qui passeront toujours, pour commencer, par une mise en évidence de la vérité scientifique. Voilà. Alors, je devrais lancer un nouveau projet sur la lumière. Donc, évidemment, pour ça, des collaborations seront les bienvenues, bien sûr. Voilà. Toujours dans cette démarche d'expérience qui illustre la théorie. Voilà, alors je finis avec cette magnifique séquence de Jean Perrin. Je serais très heureux, je le répète, si je pouvais, même de façon indirecte et pour une part infime, contribuer à former des hommes libres dont l'originelle bonté ne fut pas étouffée par l'enfantin désir d'asservir la réalité vivante à un ordre prescrit une fois pour toutes et digne enfin de servir la déesse des temps nouveaux, la pure, l'éclatante vérité. Là, on retrouve tout le verbe de Jean Perrin. Voilà, je vous remercie. Voilà. J'ai essayé de décortiquer là. J'ai essayé de décortiquer toute cette en fait, ce qu'on fait spontanément dans un labo quand on veut faire de la médiation. Et en fait, c'est tout un travail de décortiquer la structure de pensée que l'on établit pour arriver à notre fin. En fait. Voilà, c'est le sens de la démarche. Voilà, je vous remercie. Voilà, le micro est à vous donc pendant quelques minutes pour toute question. Oui. Ah oui, oui, c'est vrai. Non, non, oui, effectivement, je ne donne pas le micro, je le garde pour éviter évidemment la transmission du virus. Oui, juste une petite remarque pour compléter ce qui a été dit sur Jean Perrin. Le fils de Jean Perrin, Francis Perrin, a fait aussi une carrière et des travaux notables. Et je pense aussi à un de ses fils qui était biologiste. Donc il s'est plutôt orienté vers la biologie, comme plusieurs des personnes des familles des scientifiques. Juste, je suis effectivement, Jean Perrin a adoré la science. C'est un peu grandiloquent tout ce qu'il écrivait, mais ça a fait encore vibrer comme il se doit. Et Francis a fait une carrière très brillante. Il était haut commissaire à l'énergie atomique. Et son fils David a travaillé avec Monod à l'Institut Pasteur. Et moi, je ne pouvais pas suivre la lignée, mes compétences n'étant pas à ce niveau. Mais j'ai beaucoup de respect pour tout ce que vous faites et depuis que j'ai pris ma retraite, je me bats un peu pour l'union rationaliste, qui est un autre des combats de Jean Perrin. J'ai bien sûr bien apprécié votre lien avec l'histoire des concepts, l'histoire des sciences, entre autres dans le magnétisme, l'électromagnétisme. Mais dans l'exposition, on attend vraiment une évolution, je dirais, progressive dans le temps temporel. Bon, on peut remonter assez loin, mais... surtout début du 19e siècle, Archtet, tout ça, Vampère. Voilà. Est-ce que vous arrivez à... Effectivement, vous avez montré des expériences Vampère, tout ça. Est-ce que vous arrivez assez bien, quand même, dans l'exposition, à montrer cette phylogénie, finalement, de l'évolution des concepts, y compris la notion de champ de Faraday. Expliquer la notion de champ, c'est Faraday qui a eu le concept. Mais voilà,
comment en arrive-t-on ? C'est pas évident. Alors, ça dépend du public avec lequel auquel on présente l'expo, en fait. Quand le public est demandeur et que, par exemple, c'est un public type classe prépa ou qui se pose ce type de questions, qui est intéressé par la... par l'évolution de la pensée, qui est arrivée à faire sortir la notion de champ progressivement au cours de l'histoire. Oui, ça m'est arrivé de faire des visites qui étaient où j'arrivais à mettre tout ce contenu et à l'associer à une histoire de la pensée. Évidemment, c'est pas le, je fais pas ça avec n'importe quel public. Hein, mais oui, ça m'est arrivé de faire des visites qui étaient vraiment. Enfin, un plaisir, quoi. Enfin, c'est toujours un plaisir, mais ce plaisir intellectuel-là, je veux dire. Voilà. Ouais. Et du coup, en fait, ces visites-là, elles sont intéressantes parce que, en fait, en magnétique, les trois premiers îlots sont vraiment. Essentiellement, de la physique du. Enfin, les deux premiers, surtout. Le premier et le trois, je veux dire. Sur la physique du 19e siècle, en fait, hein, qu'on établit clairement. Et en fait, on établit bien la notion de courant, la notion d'électromagnétisme, c'est-à-dire des propriétés magnétiques associées à un courant. Mais parce que là, à ce moment-là, le courant, il est vu comme... Enfin, on ne connaissait pas l'électron, c'est Perrin qui l'a montré après. Mais comme une charge, enfin, comme un déplacement de charge, en fait. Hein. Et alors... c'est assez intéressant de... Bon, alors, on saute évidemment du temps, puisque là, on arrive à la fin du XXe siècle, aux recherches de la fin du XXe siècle dans l'îlot 4 et l'îlot 5. Mais c'est intéressant de voir, voir que ce qu'a apporté la découverte du spin dans l'évolution des recherches associées au courant, quoi. Parce que toute la première partie de l'expo, c'est le courant dû à des électrons, donc à une charge, alors que la fin, c'est... Mais après deuxième moitié du XXe siècle, on connaît le spin et on développe une physique où on tient compte des interactions entre ce spin et la matière. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive... Et c'est toujours l'électron, quoi. C'est comme ça qu'on arrive à la magnétoresse ondulante, etc. Donc, c'est une suite, en fait. C'est un cheminement. Et ça, c'est intéressant. Alors ça, on arrive à le faire quand on a un public qui est demandeur de cela. Mais c'est intéressant comme réflexion parce que... c'est, en fait, à la fois, on va dire que l'exposition, elle a un côté pédagogique. Alors oui, on voit que j'ai enseigné le cours d'électromagne pendant, je ne sais plus maintenant, 15 ans, en prépa avec APES ou AGREC, et je l'ai raconté comme une histoire à ce moment-là, toujours suivie, toujours avec de la vie, etc. Et... qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Et alors, c'est intéressant dans l'exposition de... Je ne sais plus ce que je voulais dire, en fait. Je vais raconter comme une histoire. Et là, je la raconte de la même façon comme cette histoire. Oui, voilà. Mais pas en me calant sur les points du BO d'éducation nationale. C'est avec... Je ne suis pas dans un cours. L'exposition, c'est... on peut lui attribuer l'adjectif de qualificatif de pédagogique, mais ce n'est pas un enseignement, quoi. Et c'est vraiment, j'ai construit le parcours intellectuel pour arriver à montrer cette évolution, à illustrer cette évolution dans la conception du courant pour arriver jusqu'à la JMR. Voilà. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, construire ça, on se sent libre, du coup, puisqu'on n'est pas obligé de suivre un BO, quoi. Bien, je crois qu'on va peut-être arrêter. Et maintenant, je vous remercie déjà beaucoup pour votre intervention. Et puis, je pense qu'on va passer maintenant à la visite de l'exposition. Comme vous voulez. Voilà, alors allons-y.